Très bien, les enfants. Quelqu'un peut me donner un exemple d'une situation où il a rapporté? Alors, une fois, Gary a failli frapper accidentellement Emily avec une balle et je l'ai dit au professeur. D'accord. Est-ce que la balle l'a touchée? Non. Est-ce que tu es Gary ou Emily? Non. Je m'appelle Patrick. Dans ce cas-là, Patrick, tout ce que tu as à faire, c'est t'occuper de tes affaires. Une technique toute simple pour soigner tous vos soucis de rapportage. On est tous d'accord, il y a une règle d'or quand vous êtes témoin oculaire. Si personne n'est en danger, que vous n'êtes pas concerné, alors faut vous occuper de vos affaires. Il en met partout. Pas tes affaires. Elle mange comme le toutou. Pas tes affaires. Il lui dit un secret, mais je sais pas ce que c'est. J'ai un secret pour toi. T'en mêles pas. Ne fais abacant, t'es pas invité, c'est de t'en aller. La discrétion, c'est la clé, c'est pas la peine de tout répéter. Il a regardé. Pas tes affaires. Ses plumes sont pas brossées. Pas tes affaires. C'est un chewing-gum. Pas tes affaires. Il regarde son téléphone. Pas tes affaires. Elle est atomique. Pas tes affaires. Il cache des lombriques. Pas vos affaires. Y'a pas de danger, alors c'est très clair. Il faut s'occuper de ses affaires. Si vous voyez qu'on fait du mal à quelqu'un avec des mots ou des actes, c'est normal de rapporter à un adulte. Mais qu'est-ce que vous faites si quelqu'un met ses doigts dans son nez? On s'occupe de nos affaires. C'est ça, hein? C'est ça. On a réussi. On a réussi. On est trop doués. On peut retourner voir Lou, récupérer le bateau et quitter cette île. C'est qui, Lou? L'assistant de votre professeur. Mais on n'a pas de... Oh, je suis pas grave, je m'occupe de mes affaires. Attends, vous n'avez pas de quoi? Professeur Craig, est-ce que votre bateau est bleu? Oui, comment tu le sais? Eh ben, je crois que je vois... Non, c'est pas grave, je m'occupe de mes affaires. Mais Emily, si quelqu'un est en danger ou bien pourrait l'être, alors c'est bien de le dire à quelqu'un. En fait, c'est même très important de nous le dire si on est en danger. Est-ce qu'on est en danger? Eh ben, je sais pas si vous êtes en danger, c'est difficile à dire. Je crois que ce serait plus sage si je ne disais rien du tout. Ça veut dire qu'on est en danger, on est en grand danger. Patrick, est-ce qu'on est en danger? Tu peux nous le dire. Pitié, Patrick, dis-le nous. Je m'occupe de mes affaires. Mais qu'est-ce qu'on a fait? Wow. Regardez les copains. Oh, Gary, mon gentil Gary. Le professeur Craig, la professeure Kelsey et JP sont tous les trois en danger. Et on a besoin que tu nous dises pourquoi, s'il te plaît. Ne leur dis surtout pas, c'est un test. C'est pas un test, vous avez tous des A. Mais dites-nous ce qui se passe. Lou et le professeur, ils s'enfuient avec votre bateau. Oh, j'ai rapporté. Le bateau, ils s'enfuient. Lucius, stop! Allez-vous-en! Il faut que je m'en aille d'ici! Ce bateau est à nous! Oui, c'est quoi ton problème, mon pote? Je ne les supporte plus! Je croyais pouvoir leur apprendre à ne plus rapporter, je croyais pouvoir faire le bien dans ce monde! Mais ces enfants sont impossibles! Tout ce qu'ils font, c'est... Et moi, j'en peux plus! J'ai joué! Ça suffit! Tu es une sale à fou, toi! Plus question de s'enfuir, c'est fini, Lou. Ouais. Non, c'est pas fini, parce que vous m'avez taché avec de la boue, et si vous m'emmenez pas avec vous, alors je vais aller le dire. Oh, tout ce temps que j'ai passé à enseigner, est-ce que je serais devenu l'un des leurs? Je suis un rapporteur. Je vais le dire.